Je suis Pozzo di Borgo, je suis sénateur de Paris et je suis président d'un groupe au Conseil de Paris, d'un groupe centriste qui est le groupe Centre indépendant. Nous sommes le troisième groupe du Conseil de Paris. Et dans ce groupe, nous avons différentes personnalités centristes, beaucoup de femmes, puisqu'on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a sept femmes et quatre hommes. Donc vous voyez que la parité est plus que satisfaite dans notre groupe. Et parmi ces femmes, il y a une candidate, une conseillère de Paris, Linda Azmani, qui est une personnalité d'abord très jeune, c'est une nouvelle dans la vie politique. Enfin, elle est déjà très connue, très réussie, elle a déjà réussi son parcours. C'est quelqu'un de remarquable, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, quelqu'un qui a la grande intelligence politique, quelqu'un qui a la perception des problèmes, quelqu'un qui vraiment devrait avoir, si elle arrive à résister à l'ensemble des pressions des partis et si elle arrive à manifester son autorité dans les sujets qu'elle gère, sera une femme politique importante à Paris. Alors Linda m'a dit qu'elle était candidate dans la circonscription où elle se présente. Moi, je suis président de son groupe, elle est dans mon groupe, donc je la soutiens et je lui dis voilà, Linda, vas-y, sois courageuse, vas-y, nous te soutenons. Alors il y a évidemment les choix des partis politiques, on verra bien ce qu'ils font, mais moi, à titre personnel, en tant que président de groupe, je soutiens Linda parce que je considère que c'est une candidate de qualité, c'est une candidate qui sera successful et puis surtout, c'est une candidate qui sera vraiment un porte-parole de ces électeurs qui vont très certainement voter pour elle en grande quantité.